Bonjour à tous, on est toujours à le Web 13 et on va vous présenter une carte de visite à réalité augmentée. Oui, bonjour. Donc, en fait, on fait partie de la compétition Le Web. Ublim, on présente notre technologie qui consiste à faire de la réalité augmentée à partir du logo des marques. Alors, c'est très simple. On utilise son smartphone face au Blim. Donc, Blim, c'est le logo qui permet d'augmenter le support marketing. Il suffit de lancer l'application. Et puis, de suite, on arrive à augmenter la carte de visite instantanément. Ok, donc on a un menu qui apparaît avec différentes options. À quoi servent-elles ? Alors, c'est très simple, je vais vous montrer. Tout d'abord, on utilise souvent la carte de visite pour pitcher, pour introduire son business. Donc là, on a associé un service qui est un petit slideshow de photos. D'accord. Ou une vidéo, permettant tout simplement de montrer à quoi sert. Donc là, on a un aperçu du produit finalement, quoi. On a un aperçu du produit. Donc là, par exemple, pour le cas de Ublim, là, on montre clairement qu'on fait du packaging augmenté, du merchandising, de la brochure augmentée en utilisant ces logos. D'accord. Voilà. Il y a d'autres services, bien sûr. L'appel instantané. Donc là, on passe un coup de fil direct. On passe un coup de fil direct. LinkedIn, les réseaux sociaux, le site web. Alors, je vois LinkedIn, mais est-ce qu'on peut aussi intégrer par exemple Twitter, Facebook Alors, bien sûr, là on est en bêta, donc on est en train de tester le service auprès de milliers d'utilisateurs qui vont nous faire leur retour. D'ailleurs, ici, il y a un petit formulaire qui permet de faire des retours. Voilà. Bien sûr, on pourra personnaliser ses services. On pourra même personnaliser graphiquement sa carte. D'accord, sa carte virtuelle. Ok. Et bien sûr, après, le contact, c'est une nécessité, ouais, c'est une fonction basique indispensable. Voilà, donc nous, on lance ce service-là pour pouvoir viraliser notre technologie, mettre dans la poche des consommateurs. Votre modèle économique ? Alors, sur la carte, il est gratuit, c'est du freemium, c'est-à-dire que les entreprises qui veulent brancher leur CRM ou bien pouvoir générer des cartes pour leur flotte de commerciaux, on passe sur un modèle premium. Okay. Et puis, les imprimeurs en ligne deviennent nos partenaires, donc on leur amène du lead en échange d'une commission d'apport. D'accord. Voilà. Autre chose à ajouter ? Pardon ? Autre chose à ajouter ? Oui, tout simplement qu'on est très content d'être à le web et puis si des investisseurs veulent nous rejoindre pour bien nous aider à développer commercialement et développer notre marketing, ouais. Ils sont les bienvenus, ils nous contactent. Ok, ça marche, merci. Merci.